Mets-toi debout, s'il te plaît, lisons. Romains 4, verset 17. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Can we clap for Jesus? Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assois-toi, s'il te plaît. Clap for the Lord and be seated, please. Dis à ton voisin, sois attentif ce soir. Tell your neighbor, be attentive tonight. Amen. Amen. Il y a quelque chose que je veux t'aider à comprendre. Vous savez, le thème de ce mois, c'est quoi? De la honte à la gloire. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Si, par exemple, je prie avec toi et je prêche et je prophétise, tu passes de la honte à la gloire au nom de Jésus, toi, tu réponds quoi? La honte quitte ta vie au nom de Jésus. Reçois la gloire de Dieu. Receive God's glory. Ok, c'est bien, asseyez-vous. Fine, it's good. Je sais que c'est la partie la plus chaude que I vous attendez. The hot part. Mais il faut comprendre quelque chose. Now, ces proclamations sont rendues possibles par des lois qu'il faut connaître. On peut dire à l'église, reçois la gloire. Tu dis amen. Tu seras en haut. Tu dis amen. On dit tu seras riche. Amen. Ces paroles sont puissantes. Mais elles ne s'accomplissent pas où il n'y a pas de connaissance. Et sera ce qui fait la différence pour que la gloire se révèle dans ta vie, c'est la connaissance des lois de la gloire. Tu dois maîtriser les lois pour mener une vie de gloire. Aujourd'hui, je vais t'enseigner une clé, la puissance, la loi de la création. Dis à ton voisin, la loi de la création. Je ne t'entends pas. I don't hear you. La loi de la création. The law of creation. Personne, nobody, qu'on ne vous mente pas, don't be deceived, ne peut fonctionner dans la gloire can function into glory s'il n'est pas un Dieu. If he is not a God. Je parle de la gloire de Jésus-Christ. I speak of the glory of Jesus Christ. Tu ne peux pas you cannot fonctionner dans la gloire work in the glory si tu n'as pas maîtrisé la divinité. You didn't master divinity. Et ce qui fait la divinité, what makes divinity, c'est la loi de la création. Is the law of creation. Mes amis, my friend, tu dois changer de mentalité. You must change your Il faut mindset. Que tu comprennes une chose. You must understand something. Que tu la comprennes bien. For you to understand que it tu well. L'assimiles. To take que it. Tu comprennes to bear it. Understand que tu es un Dieu. That you are a God. Il faut que tu comprennes ça. You must understand. Parce que la compréhension de cette vérité te sortira des limitations humaines. L'homme est limité, mais un Dieu n'est pas limité. Je suis en train de te troubler, c'est ça? Il faut que tu saches que tu es une déesse. Attends, amen là, ça c'est l'amen des hommes. Wouh! Dis à ton voisin, je suis un Dieu. Tell your neighbor, I'm a God. Écoutez, cette connaissance va t'aider à prendre contrôle sur ta vie. À prendre contrôle sur les événements de ta vie. Soit les événements de ta vie te contrôlent, soit tu les contrôles. C'est deux choses. Les deux ne marchent pas ensemble. Soit tu prends contrôle sur les éléments de ta vie, ou les éléments de ta vie prennent contrôle sur toi. Mais pour que tu réussisses à passer de la honte à la gloire, tu dois commencer par savoir que tu es un Dieu. Ça commence par là. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, I had said, you are gods. Yes. Dis, je suis un Dieu. See, I'm a God. Je suis un Dieu. I'm a God. Je ne fonctionne plus comme un homme. I'm no more working as a man. Non. Je refuse. I refuse. Que ce qui arrive aux hommes arrive. Je suis un Dieu. I am a God. Ah, tu ne t'entends pas confesser ça. Confessing it. Je suis un Dieu. I am a God. Je suis un Dieu. I am a God. Dis, je suis un Dieu. Say, I'm a God. Par la grâce de Jésus-Christ. By the grace of Jesus Christ. Écoutez, listen, la Bible dit ceci. The Bible says this. Ani am, en hébreu, je vais lire en hébreu. I will read it here. Il dit, Ani amarti, Elohim, atem ou bene, Elohim. J'avais dit, vous êtes
Vous êtes des dieux. Ani Amarti, j'avais dit. Ani Amarti, Elohim. J'avais dit, vous êtes des dieux. Atem ou Bene, Elohim. Vous êtes tous des fils d'Elohim. Donc en hébreu, la Bible dit que j'avais dit, Ani Amarti, Elohim. Ani ou Bene, Elohim. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des Elohim. Fils d'Elohim. C'est-à-dire Elohim, ça veut dire l'Elohim qui est au-dessus des. L'Elohim est l'Elohim. Non. Elohim est au-dessus des Elohim. C'est le créateur des Elohim. C'est le Dieu très haut qui a créé les dieux humains que nous sommes. Yes, yes, yes. Celui qui ne croit pas qu'il est un Dieu sera limité dans sa nature humaine. Il n'y a aucune situation dans ta vie que tu peux vaincre dans ton humanité. Donc le problème c'est quoi? Tu dois apprendre à activer la divinité en toi, le divin en toi, à fonctionner à partir du divin. Et le fonctionnement dans le divin est valable dans tous les domaines de ta vie, dans les affaires, dans le mariage, dans tes projets, à l'école, dans ton mariage, à la maison, au lieu de travail. Tu as besoin d'entrer dans le divin pour modifier le naturel. Le naturel ne modifie pas le naturel. Un enfant de Dieu qui a la mentalité du naturel sera bloqué par tout ce qui est naturel. Mais celui qui a la mentalité du divin sort du naturel. Ce qui est naturel n'est plus une limite pour lui. Il brise les barrières et il agit comme un Dieu dans le naturel. Et il opère des miracles qui sont les signes de la présence du divin dans le naturel. Tu dois devenir un divin pour briser les barrières de ta vie. J'avais dit, vous êtes des Elohim, tous fils d'Elohim. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Je dois comprendre cette vérité. C'est pour ça que Jésus a dit ceci. Kai gnosos ten ten aleitehia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Je vous donne des exemples. Doucement, je vais doucement. On va aller très doucement. Parce que cet enseignement a une certaine technicité spirituelle. Il faut que tu la comprennes. Si tu as un problème dans ta vie et tu considères le problème du point de vue de l'homme que tu es, tu ne t'en sortiras pas. Mais si tu considères du point de vue de Dieu, c'est-à-dire dans le domaine des impossibilités, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, je vous le dis en vérité, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle vous obéirait et rien ne vous serait impossible. Là c'est dans la divinité, ce n'est pas dans l'humanité. Quand tu opères en tant qu'enfant de Dieu dans ton humanité, tu es bloqué. Mais si tu vas dans la divinité, tu agis avec l'onction des impossibilités. L'onction qui rend possible les choses qui ne sont pas possibles aux hommes ordinaires. Vous savez ce qui nous tue? Vous savez ce qui nous tue? Il y a ce qu'on appelle la dualité. Asseyez-vous. La dualité. La dualité. Ou la bicaméralité. C'est quoi? La dualité, c'est lorsque il y a. On parle de la dualité de l'homme. Lorsque, parce que on parle de deux natures. J'ai deux natures en moi. Je suis un être physique et charnel. En même temps, je suis un Dieu en Christ. C'est là le problème des chrétiens. Le problème, c'est quoi? Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas gérer leur naturel et leur divin. Ils résolvent les problèmes à partir du divin et non à partir du naturel et non du divin. Dans le naturel, il y a les limites. Mais dans le divin, il n'y a plus de limites. À partir de ce moment, ce que tu crois de toi, c'est ce qui t'arrive. Si tu es homme,
tu seras limité. Tu penses, tu es enfant de Dieu, mais tu penses comme un homme ordinaire. Tu seras limité, ta vie ne va jamais briller. Même si on te donne quel genre de prophétie, la prophétie ne peut pas fonctionner. Parce qu'il faut qu'elle rencontre le divin en toi. Il faut activer le divin. Alors quand je prophétise, cette parole tombe dans le divin. Elle rencontre le divin. Elle explose en gloire. Non, non, n'applaudissez pas, laissez-moi, laissez-moi. Je vous connais. Vous applaudissez pour aller pleurer encore après. Il faut me comprendre. Qu'est-ce que je dis? Regarde. Vous savez, lorsqu'il y a des défis, ces défis parfois nous dépassent parce qu'on n'a pas pu déclencher notre divinité. Nous manquons beaucoup de choses, hein? Beaucoup de grâce. Les enfants de Dieu ratent beaucoup de grâce. Pourquoi? Parce que quand il y a des problèmes, tu pleures. Le divin ne pleure pas. Tu te plains. Le divin ne se plaint pas. Il résout les problèmes. Il ordonne et la chose arrive. Celui qui opère dans le divin, il ne se plaint pas. Il ne pleure pas. Il ne pleurniche pas. Quand il y a un problème, il a déjà vu la solution avant même que le problème n'arrive. Rien ne lui est impossible. Quand j'ai lu ce passage de la Bible, j'ai été beaucoup défié et j'ai posé des questions. Est-ce que c'est réel? Est-ce que tout est vraiment possible à l'homme? Oui, dans la mesure de la divinité, des possibilités que Dieu a données à la divinité humaine. Ceux qui sont connectés à la mort de Christ sur la croix, ceux qui sont nés de nouveau. Si quelqu'un, n'importe qui est en Christ, il devient un kahine kitisis, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il est devenu un Dieu. Et rien n'est impossible à un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui fait un Dieu, c'est la création. C'est la capacité de créer. Il y a les gens que je regarde. Il y a les gens que je regarde. Quand tu vois quelqu'un, tu vois l'homme. Plein. Tu ne vois même pas un peu de brin de divinité en lui. C'est l'homme que tu vois. Quand tu vois, pourquoi? La tristesse, l'abattement, le découragement, le dépassement, le surpassement et le surclassement par ses problèmes. Ce n'est pas une attitude de la divinité. Beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés par les problèmes de la vie. Regardez Jésus. Est-ce qu'il s'est jamais découragé? Non, jamais de la vie. Il ne s'est jamais découragé. Est-ce qu'il y a un problème qu'il a dépassé? Non. Pourquoi? Parce que ce qui dépassait les apôtres n'était pas un problème pour Jésus. Parce que les apôtres agissaient comme des hommes, des humains. Jésus agissait comme un Dieu. C'est pour cela que vous allez remarquer, entre deux sœurs qui traversent les mêmes problèmes, celle-ci a toujours les solutions et les victoires, mais celle-ci échoue toujours. C'est quoi? La mentalité. Dis la mentalité. Dis la mentalité. Dis la mentalité. Mon ami, tu ne peux pas être plus grand que ta mentalité. Tu ne peux pas être plus riche que ta mentalité. Ton niveau de vie actuel, c'est ta mentalité qui l'a produit. Le niveau que tu as, les événements de ta vie, c'est toi qui les influences. Dans tous les problèmes que tu as là, c'est toi qui en es le créateur. Ton niveau de vie, ton célibat, ta pauvreté, tes échecs, je dis la vérité, c'est toi qui les as créés. Yes, yes. Tu es ce que tu crois que tu es. You are what you think you are. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Je veux dire ceci. I will say this. Je prie que Dieu m'aide à vous expliquer ça. Mon ami, si tu veux te marier, demain tu vas te marier. Mais ça paraît impossible, n'est-ce pas? À l'homme, s'il me dérange encore, il vient encore nous troubler avec ses histoires de on est des dieux, on peut créer. Pourtant, c'est la vérité en fait. Mais c'est que la clé n'a pas été trouvée. Si tu ne trouves pas, tu ne comprends pas, ça ne peut pas fonctionner. Et ma bagage, c'est que tu comprennes. Si tu veux l'argent, être riche. Maman, tu peux être riche aujourd'hui. Est-ce que vous savez que ceux qui opèrent dans la divinité, lorsqu'ils arrivent au marché,
il peut arriver, tu peux arriver au marché, tu définis combien tu vas vendre. En tant qu'enfant de Dieu, c'est le droit de la divinité. On va reprendre ça différemment. On revient encore derrière. Je vous explique ça encore. Doucement. Assois-toi, maman. Dis que je suis un Dieu. Say I'm a God. Qui n'a pas les problèmes? Who doesn't have problems? Qui n'a pas les problèmes ici? Who is not having problems here? Qui est sans problème? Who is qui a les problèmes? Who has moi d'abord, mes deux mains. My two hands. J'ai beaucoup, beaucoup de problèmes. I have beaucoup. many problems. Many. Bien, baissez la main. Now put your hands down. Il y a deux rapports avec tes problèmes. Soit tes problèmes te tuent. Either your problems kills you. Ça tue ton étoile. It kills your star. Soit tu tues tes problèmes et Either tu brilles. Kill your problems and you tu shine. Utilises tes problèmes pour briller. You use your c'est problems pas ça. To shine. Hein? Qu'est-ce qui fait la différence? What makes the difference? La mentalité. The mindset. C'est ça que l'apôtre Paul dit ceci. That's what Apostle Paul says this. Il dit, he says, il dit, he says, ne vous conformez pas au siècle présent. Don't be submitted to the actual première century. Chose. First thing. Mais but soyez be transformés. Transformed. Par quoi? What? Le renouvellement à soi. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes les totos ce soir. Asseyez-vous. Je veux que tu comprennes. I mais soyez you. Transformés par le renouvellement de. Renewing. That's it. Donc regardez. So Luke, il faut que vous compreniez. Paul dit ceci. Paul says this. Il dit. He says, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça dit que le péché tue la divinité en toi. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché. Non, il est fini. Lui, celui-là. Préparez ses obsèques. Achetez déjà son cercueil. On creuse sa tombe. C'est fini. Lui-là, c'est foutu. Si tu vis dans le péché, il n'y a pas de divinité. Toi-même, tu as déjà tout gâté. Donc ce n'est pas possible. Là, tu es disqualifié. Comme j'avais une de mes filles, elle souffrait du VIH. Et puis elle avait tellement perdu le poids. Elle est venue me voir. On a prié ensemble. Elle m'a dit, papa, je vais au village. Et on l'a fait partir au village. Qu'elle est rentrée du village, elle était très fâchée. Je lui ai demandé, ça s'est passé comment au village? Elle dit qu'elle arrive au village. Parce qu'elle m'a dit qu'elle partait demander de l'aide pour se soigner. Elle dit que lorsqu'elle arrivait chez elle, elle était de l'extrême nord. Elle a réuni sa famille. Elle leur a dit, voici, je souffre du VIH et j'ai besoin qu'on m'aide parce qu'il faut que je me soigne. Et sa famille a cotisé l'argent. On lui a remis cet argent. Et puis elle voulait partir. Sa famille lui a demandé, tu vas où? Elle a dit, je vais à l'hôpital. Sa famille lui a demandé, tu es malade? Elle dit, comment? Says, on te donne l'argent, tu peux aller à l'hôpital, pourquoi? Elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Said, what does it mean? Elle dit que c'était pourquoi vous me donniez. On dit, pour acheter ton cercueil. To buy your coffin. Elle a versé l'argent, elle est revenue chez Yaoundé, fâché. Donc un enfant de Dieu qui vit dans le péché, acheter son cercueil déjà, il ne peut pas manifester la divinité. Donc la première chose, il faut que ta manière de vivre soit conforme à l'évangile de Christ. Ça c'est la première condition. Si tu ne peux pas abandonner la mauvaise vie, ta vie sale, pour te conformer aux saintes écritures, tu ne peux pas. Première chose, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que tu ne dois pas penser comme tout le monde pense. Parce que si tu penses comme tout le monde, ce qui arrive à tout le monde t'arrivera. Si tu vis comme tout le monde, ce qui arrive à tout le monde t'arrivera. Si je ne veux pas que ce qui arrive de mal, de mauvais, de négatif, de nocif aux autres m'arrive, faudrait que je me sépare de leur façon de voir, de leur façon de vivre, de leur vision, pour être unique, être caché en Christ. Alors ce qui leur arrive ne m'arrivera pas, et ce qui m'arrive ne leur arrivera pas. Mais tu ne peux pas vivre comme le monde, et tu ne veux pas que les choses qui frappent le monde te frappent. Mais si tu te caches dans l'église, ça va alors te frapper jusqu'à la calvitie, va même sortir sur ta tête. Premièrement, recherche la sainteté de Dieu. Cherche la sainteté de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Deuxièmement, change de mentalité. Tu ne dois plus avoir la mentalité défaitiste que tu avais. La mentalité de découragement que tu avais. La mentalité négative. Parce qu'une personne qui a une mentalité négative ne peut pas déclencher la divinité. Tu dois devenir positif. Tu dois croire.
You must believe. Au Dieu des impossibilités. Tu dois confesser. Que quoi que c'est impossible humainement parlant, mais du point de vue de ta divinité, ce n'est pas impossible. Ça sera possible. Tu dis, je vais remporter cette guerre. Je veux m'en sortir. Ce problème ne peut pas me détruire. Tu le confesses au nom de Jésus de Nazareth. Et tu te tiens sur ta vie de justice pour proclamer l'impossible. Et tu verras ce qui va se passer. Dis, je suis un Dieu. Maintenant, laisse-moi te montrer une chose. Let me show you something. Tout ce que tu veux faire, all tu peux le faire. To do, you can do that. Hein? Je vais te montrer pourquoi tu es un Dieu. I will show you why you're God. Tout le monde ici. Everybody here, j'ai porté, je vous ai expliqué hier que la Bible que j'ai portée ici, c'est mon choix, n'est-ce pas? Worn, it's my choice. Mais je ne voulais pas porter ça d'abord. I didn't want to wear this. J'avais trois choix à faire. I had three choices. J'ai choisi ceci. I've chosen this. Mais j'ai créé quelque chose, non? Right? C'est pas ça? Isn't it? J'ai créé quelque chose, n'est-ce pas? I created something, maintenant, right? La puissance, power, ce qui fait what makes un Dieu, c'est quoi? A God is what? Quoi? What is that? La création. Creation. La création. Creation. Et c'est là que beaucoup d'hommes n'ont pas compris la vie. They didn't understand. Laissez-moi vous montrer une chose. Let me show you quand something. Tu nais, when you're born, la vie est devant toi comme life is ahead of you, des life. Armoires vides. Empty furnitures. Et c'est toi qui les meubles. And you are the one to feel it. Et tu as ce pouvoir en toi. And you have et tu as la provision en toi pour meubler ta vie comme tu veux qu'elle soit. Chacun peut donner à sa vie le sens qu'il veut. Je réfléchissais à ça, révérend Bassama. Je réfléchissais à ça. Je ne sais pas, Seigneur, aide-moi à leur expliquer. Aide-moi, je t'en prie. Qui comprend comme je comprends. Jesus. Si, alléluia, tout de l'os. Je veux trois femmes ici. I need three women here. Les trois venez. Three of you come. Alléluia, tout de l'os. Mettez-vous en face. Si, alléluia, tout de l'os. Si, alléluia, tout de l'os. Alléluia, tout de l'os. Ok. Venez ici, venez ici. Come here, come here. Nos trois mannequins. Our three mannequin models. C'est un exemple que je veux prendre. It's an example I will take. Ne vous fâchez pas. Don't get angry. Je veux aider les gens à comprendre. I will help people. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, je t'en prie. Aide-les à comprendre ces choses. Help them to understand these things. Une rencontre avec une personne peut changer ta vie en bien ou en mal. Il y a des gens, quand tu les fais entrer dans ta vie, ils signent ton arrêt de mort. Tu meurs avant de temps. Il y en a aussi, les choses vont prospérer pour toi. On est d'accord, n'est-ce pas? Regardez, je vais vous montrer une chose. Comme vous comprenez, la puissance de la divinité et le choix. Aujourd'hui, je parle de la création. Supposons que ces trois femmes, elles, her, si je l'épouse, on va divorcer. If I get married with her, we will divorce. Hein? C'est un exemple. Je ne dis pas qu'il veut l'épouser. C'est un exemple. It's an example. Si je l'épouse, on if va I divorcer. If I get married with her, we will divorce. No, asseyez-vous. No, be seated. Seated. Donnez-moi trois chaises. Give me three seats. Je veux trois chaises. Donnez three, trois chaises. Rapidement. Quickly, quickly. Trois chaises. Trois chaises. Vite. Three chairs. L'exemple est compliqué. This example is very complicated. Ça peut compliquer la vie des gens et compliquer ma propre vie. Apportez trois chaises. Bring three chairs. Rapidement. Quickly. Voilà, voici les trois chères. These are the three sisters. Donnez à ma fille. Give my sister. Que Dieu te bénisse. Be seated. May God bless you. Tu ne manqueras pas de pourvoyeur dans ta vie. Like a provider in Jesus' name. Reverend Bassama. Reverend Bassama. Voici la sœur Annie. There's the sister Annie. Ça c'est Annette. That sister Annette. Ça c'est Anne. And this sister Anne. N'oubliez pas leur nom. Don't forget la sœur Annie, Annie, la sœur Annette, sister et la sœur Anne. And sister Anne. La sœur Annie, sister Annie. Si je me marie à elle, if I get mais je ne sais pas ça. C'est trois filles belles it. Dans l'église. These are three pretty mais girls in church. Celle-ci n'est pas sérieuse. Is not serious. Mais les trois mêmes. But the three mais dans more. Le futur, but in the future, elle, elle va changer. She will change. Mais je ne le sais pas. But I'm not aware of that. Donc si je l'épouse, so if I get on now, va divorcer tôt ou tard. C'est qui est sûr? Celle-ci, this one, ses jours ne sont pas très longs. Her days are not too long. Si je l'épouse, if I marry je serai now, veuf I will be a widower, tôt ou tard. Sooner or later. Celle-ci va mourir à 80 ans. Si je l'épouse, on va mourir marié. We will die married. Oh.
Est-ce que vous comprenez? Do you understand it? Maintenant, vous croisez chacune de ces personnes. Vous devez faire un choix. Et c'est ça qui peut faire basculer votre vie à jamais. C'est là que le pouvoir de la divinité, de la création arrive. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive parce que c'est le pouvoir du choix qui nous met dans des situations bonnes ou mauvaises. Bon, je ne sais pas par quelle circonstance je pose Annie. I get married to Annie. Et je finis divorcé. And I finish as a divorced one. Et qu'est-ce que je vais dire? And what will I say? Ouais. Si j'avais épousé l'autre là. If I had married this et puis, girl, peut-être j'avais épousé celle-ci. Mary, I would have married this one. Elle meurt. She died. Et je me rends compte que quand elle meurt, l'autre aussi vit encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. La conclusion est simple. Si je l'avais épousé, elle serait encore vivante. Je ne serais pas veuf. I won't be a widower. Jesus. Est-ce que les gens comprennent ça? Do people understand it? Je donne un exemple. I give an example. Oh. Jesus. Dis à ton voisin, tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Of all that happens to you. J'ai une de mes sœurs qui est venue me rendre visite, Nafissatou. Elle est rentrée hier. She went back yesterday. Elle s'est mariée à un monsieur. She got married to a man. 25 ans de mariage. 25 c'est ma petite sœur. Of marriage. She's my junior. Elle a 10 sister. Enfants. She has 10 children. Je la fouettais souvent. I was beating her sometimes. Elle a 10 enfants. She has 10 children. Après 25 ans, after 25 years, son mari prend une deuxième femme. The husband takes another wife, a second wife. Ils ont 10 enfants. With 10 children. Si elle avait épousé un homme qui a ma mentalité, gotten married to a man that has my mindset, ils auraient 3 enfants. They would have had 3 children. Qu'est-ce qui a fait la différence? What makes the difference? Le choix. The choice. Une femme pourrait avoir 3 prétendants. A woman can have 3. Celui-ci pretendants est violent. Is violent. Celui-ci est trop infidèle. Is unfaithful. Celui-ci est fidèle. This one is faithful. Elle choisit celui-ci. She chooses this one. Tous les gens vont taper sur elle. They will always beat on c'est la faute de qui? Whose fault is that? C'est sa faute en fait. Her fault in fact. Qu'est-ce qu'elle doit plaindre? Elle-même. She will complain on herself. Si elle va épouser celui-ci if she get married, qui la trompe tous les jours, cheating on her elle souffrira, n'est-ce pas? She will suffer, mais c'est la faute de qui? But whose fault is that? C'est le choix de qui? Whose choice est-ce qu'on l'a obligé à épouser cet homme? Was she forced to marry? Est-ce qu'elle doit accuser Dieu? Can she accuse est-ce qu'elle doit accuser quelqu'un? Can she accuse non. Somebody? No. Si tu fais un mauvais mariage, if you do a wrong marriage, c'est ta faute. It's your fault. C'est la faute de personne. C'est ta faute. It is nobody's fault. It's yours. C'est la conséquence, that's the consequence de ton choix. Of your choice. Tu as créé toi-même un événement dans ta vie, une circonstance qui est contre toi. Tu rencontres un homme. Vous n'êtes pas marié. Il te dit, fais-moi un enfant. Engage de notre mariage. Et tu lui fais l'enfant. Et il fuit demain. Il disparaît demain. C'est la faute de qui? Maintenant, tu es célibataire, mais célibataire avec enfant. Mais il y a ta soeur à côté qui a aussi connu quelqu'un qui lui a aussi posé les mêmes conditions. Mais elle a dit non. Elle est célibataire sans enfant. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous? Est-ce que c'est Dieu qui donne les enfants, comme on dit souvent? C'est ça? Ah non, je ne sais pas comment c'est Dieu qui donne les enfants. Non, mes amis. Oui, dans un sens. Yes, dans le sens où rien n'arrive sans sa volonté parce qu'il est celui qui contrôle toutes choses. Mais non, dans le sens où il ne t'a pas envoyé. Ce n'est pas lui qui t'a donné. Là-bas, c'est toi-même qui t'es donné. Yes. Yes. Maintenant, le même homme te trompe encore. Il te bombarde deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. Il disparaît. C'est la faute de qui? C'est ta faute. Your fault. Finalement, finally, le temps passe. Tu n'as pas les moyens. No tes enfants grandissent. Leurs besoins s'accentuent. Tu te retournes à te prostituer pour résoudre le problème de tes enfants.
qui t'a fait vivre cette vie et ta vie devient misérable. Et il y a un travail qu'on te propose. On se rend compte que tu as 3-4 enfants. On te dit, on ne peut pas recruter une femme qui a les enfants, une mère célibataire avec enfants, parce que ça va l'empêcher de se concentrer dans le travail. Qui t'a bloqué? C'est toi-même. Il n'y a pas de sorcellerie là-bas. Il faut comprendre ça. You must understand this. Comprenez ça. Understand this. Ce que tu es, who you are, c'est tes choix. Is about regardez, choices. Je vous donne un exemple. I will show you tu an example. Prends une fille take a girl qui vit mal, living un homme qui life, vit mal, a man who lives badly, et puis il a la gonococcie. He has gonococcie. La syphilis, le gonococcie ou la gonococcie. Il a la gonococcie. He has gonococcie. Ou la syphilis. Ou la chlamydia. Or chlamydia. Ou. Or, merci, prof. Ou. Thank you, teacher. Ou le sida, oui. Or HIV. Maintenant, c'est la faute de qui? Now, whose fault is that? Ah, non, Seigneur, je t'en prie. Oh Lord, I beg you. Donne-moi le tableau. Seigneur, aide-moi. Les gens, s'ils veulent la gloire, me. Ils ne connaissent pas they la complication glory. Qu'il y a they know, dans they cette don't histoire know the de gloire. With ta vie, laisse-moi te montrer une chose. À un millième de seconde près, tu peux détruire ta vie in à jamais. Ready, il y a un millième de seconde près, tu peux entrer dans la gloire. You can enter in glory. Parce que tu es un Dieu. Because you're a mais God. Nous sommes des dieux qui se détruisent eux-mêmes. But it is God that qui détruisent leur vie eux-mêmes. Cours, Reverend Bassama. C'est la gloire. It viens avec glory. Ici. Come yeah. With that. Non, c'est bon. N'oubliez pas les chiens. Du rocher, ça n'écrit plus. He doesn't write. La veille, je t'ai tiré. Regardez. Look. Regardez, écoutez-moi. Vous avez un rendez-vous à 20h. You have an appointment at 8 p.m. C'est ça, n'est-ce pas? Vous avez un rendez-vous à 20h dans un hôtel. An appointment of, avec un monsieur. With a man. Ou avec une dame. Or a lady. Et vous avez ce rendez-vous à 20h. Vous êtes chez vous, vous réfléchissez. You are home, je fais comment? J'y vais how ou j'y vais pas? Should I go vous réfléchissez à cela. Vous tablez. Vous tablez là-dessus. Et puis vous décidez. And then you decide, soit partir, soit ne pas partir. Whether to go or et votre not vie to bascule. Go, and your life is falling. Le jour où tu as décidé, the day you decided, tu vas au rendez-vous to go into the de 20h à l'hôtel. 8 p.m. at the hotel. Quel hôtel? Which hotel? Hein? Ah bon, hein? Donc vous connaissez les hôtels. Hein? Ah, now you know regardez hotels. Alors comment ils sont look tombés. How they fell in the trap. Partez à l'hôtel. Now you go to rendez-vous the hotel. 20h. Appointment at 8 p.m. Mais le problème, c'est quoi? But what is the problem? Écoutez-moi bien. Le problème, c'est quoi? Listen to me. C'est que le gars a le VIH. The guy has HIV. Alors vous êtes chez vous à la maison. So you are at home. Vous dites, je pars ou je ne pars pas. Thinking, je pars ou je ne pars or pas. Or la not? Décision que vous allez prendre the ce jour va influencer votre vie pour toujours. Supposons vous dites, ah, say, non, ah, no, j'y vais pas. I won't go. Et vous appelez le monsieur. Vous lui dites, man, je ne veux plus venir. Say, I won't come. Vous avez sauvé votre vie d'une situation qui allait vous affecter pour toujours. Ou alors, vous décidez d'y aller. Vous couchez go ensemble. Vous sortez avec votre part. And going pour toujours, forever, vous allez pleurer. You will cry. Mais c'est votre choix. But it's your choice. À un millième de seconde près, vous avez time, détruit toute votre vie à cause d'une décision. Life. Pourquoi? Parce decision que nous sommes des dieux, because mes amis. God's, quoique Dieu est Dieu God souverain, celui qui décide sur tout ce qui nous arrive, mais nous sommes les architectes de nos vies. C'est nous qui construisons nos vies. Chacun donne à sa vie les couleurs qui lui plaisent. Bonne ou mauvaise, belle ou lugubre, c'est ma faute, ma responsabilité. Maintenant, lisez Romains 4, verset 17. Dans Romains 4, 17, c'est la clé de la divinité. Regardez. Est-ce que vous me comprenez? On se comprend un peu. On se comprend. Do you understand each other? Ok, oui. Now read it. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Father of many nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Before him, he believed Dieu him.
Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça la divinité. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc il faut avoir la capacité d'appeler dans ta vie. Mais il faut faire attention. Tu as le pouvoir d'appeler les bonnes choses et tu as aussi le pouvoir d'appeler les mauvaises choses. Yes, yes, yes. Je vous dérange, n'est-ce pas? I'm disturbing you. Mais c'est ça la clé de la gloire, je vous dis la vérité. Glory, I tell you the truth. Maintenant, dans ce pouvoir créationnel, now, in that creational power, le fait qu'elle soit devant ici, she is here in front, elle a créé quelque chose. She created something. Dans le même temps, in the same time, le même espace, the same space, elle serait derrière là-bas. She would have been behind there. Mais elle n'est plus là-bas, elle est ici. There, she is here. Parce qu'elle est une déesse. Because she is a goddess. Et c'est Dieu qui t'a porté pour te jeter ici. Is God the one who put her here? Maintenant, regardez. Now, watch this. Il faut apprendre à créer. You must learn to create. Ton jeu your game, préféré devrait être celui de créer. Asseyez-vous. J'ai expliqué ceci. Que la vie d'un homme, lorsque tu nais, de façon, born, Dieu God te donne la vie. Gives your life. Et la vie, c'est comme and une armoire like qui est vide. C'est toi qui dois la meubler. You are the one to furnish it. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Regardez. Watch this. Supposons que let us guess, on est deux amis. Voici deux amis. These are two friends. Les deux amis, mettez-vous quoi à côté. Comment vous aimez en costume ensemble? Side by side as you wearing suits. Non, c'est pas les bons exemples. No, ça these va. Are not good examples. Parce que ma parole est redoutable. Si je dis une chose, même par exemple, ça peut, example, quelqu'un may, peut souffrir après. Someone may suffer after. Vous avez deux personnes qui ont le même âge. With the same age, age mates. Et and celle-ci this one a le doctorat. It has a PhD. L'autre a le CEPE. And the one has common entrance. Je demande ceci. Est-ce que les deux n'ont pas eu la même opportunité? Hein? Pourquoi l'autre devient docteur tandis que l'autre c'est un zinzin? Pourquoi? La manière dont ils ont géré, l'autre a créé. Dans le temps que Dieu lui a donné, Dieu te donne le temps. Mais c'est à toi d'aménager de ton temps. C'est à toi d'occuper ton temps, pas des choses utiles. Yes. Donc, pendant les années qui passaient, l'un a dit, d'ici 7 ans, je dois avoir mon bac. Après 7 ans, mon doctorat et c'est mon travail. Il ménage de son temps. Il meuble son temps. Il meuble sa vie par les études. Et après 14 ans, il a le doctorat. Mais celui-ci, lui traînait dans le quartier à Jo-Songo. Il n'a rien fait d'utile dans le temps que Dieu lui donnait. Après 14 ans, il ne récolte rien. Qui les a mis dans cette situation? Personne. C'est chacun d'eux-mêmes qui a créé les événements de sa vie. Celui qui a eu le doctorat et celui qui n'a pas eu le doctorat, ce n'est pas que l'autre est plus intelligent que l'autre ou que l'opportunité était seulement pour l'autre, c'est que l'un a donné l'importance et il appela à l'existence le doctorat parce que c'était son objectif et l'autre n'avait pas cet objectif, donc il n'a rien créé. Hein? De quoi? What? Donc, regardez. So, watch this. Si je veux être if gendarme, I want to be a policeman, c'est un exemple. Example, je veux être gendarme. I want to be a policeman. Qu'est-ce que je fais? What will I do? Je peux appeler à l'existence ce rêve, à ce qui devient réalité. For it to be real. Dès qu'on lance le concours de la gendarmerie, so je fais les dossiers, yes, j'y vais, je m'entraîne. Et un jour, j'ai la tenue. Qui a créé cela? Qui a appelé à l'existence la tenue dans ma vie, la fonction de gendarme? C'est moi-même en fait. C'est comme je peux dire, je veux être gendarme. On lance le concours. Je ne fais pas les dossiers pour le concours. Est-ce que je serai gendarme? Pourquoi? Je n'ai pas appelé à l'existence, je n'ai pas fait, je n'ai pas appliqué les lois pour devenir gendarme. Je veux dire quoi? Si tu veux être pauvre, aujourd'hui tu vois que les choses ne marchent pas pour toi. Les choses ne marchent pas d'elles-mêmes. C'est toi qui les fais marcher ou c'est toi qui les fais, qui les paralyse. To be oh. Ah non.
Non. No, no. Qui ne comprend pas ce que j'enseigne? Who is not understanding qui ne comprend what I'm pas? Si tu n'es pas marié, if you're not married, sans que tu ne le saches, without being c'est aware, toi-même qui bloque ton mariage. You are the one to block your marriage. Jesus. Hein? Hein? Voilà, voilà! Le soleil de la gloire! Elle est prête pour la gloire. She's ready for si glory. Tu ne te maries pas, if you don't get married, et tu dis oh, non, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, no wife, non, en réalité, no, in fact, il ne manque pas d'homme pour t'épouser. Et tu sais au fond de toi que tu es une bonne femme. You know, you, tu ne te maries pas parce qu'en fait, you don't get married because, in fact, tu ne fais pas ce qu'il faut faire you are not doing what you pour te marier. To get married. Elle demande en quoi she's est-ce qu'elle est responsable de son célibat. How is she responsible of her premièrement, singleness? First of all, la faiblesse de ta mentalité. The weakness of your mindset. Yes. Non, non, non. No, tu peux no. désirer le mariage, you may desire mais marriage, tu n'es pas dans le cadre de la création du mariage. In the side of the creation of marriage. Fais-moi l'enfant. Give me a child. Non. No. Après le mariage. After marriage. Ça, c'est un Dieu qui parle. That's non, a God speaking. C'est pas possible. It's si on ne fait pas l'enfant, je ne t'épouse pas. If you don't do a d'accord, child, ça va, ne m'épouse pas. It's okay. Pas de problème. There's no problem. En fait, in fact, voici comment ça fonctionne. That's how it works. C'est qui vous tuez. Quand je vous regarde même comme ça, ça me décourage. Mais vous, vous commencez à me décourager. Me. Tu regardes quelqu'un, tu sens que la personne dit dans son cœur, celui-ci vient même nous trouver ici. Quelqu'un n'a même pas mangé depuis. Ouais, Seigneur, même manger, je n'arrive pas à manger. On vient me dire que la loi de la création. Je veux créer quoi? What will I create? Quand tout, rien ne dépend de moi. Nothing non. Depends on me. No. Non, mes amis. No, my friends. Il y a quelque chose que je veux que tu saisisses. Il y a quelque chose que tu dois saisir. You must take hold celui something. Qui manifeste la divinité n'est plus influencé he's par les circonstances no de sa vie. Il influence les circonstances de sa vie. Il est hors des circonstances de sa vie. He is out of ça dit quoi? What does même that quand mean? Il a faim, il ne even sent pas faim. When he is angry, he doesn't feel hunger. Même dans la pauvreté, poverty, il n'est pas pauvre. He is not il est riche dans la he is pauvreté. Rich even in ça dit que sur le plan matériel, il in est pauvre. Plan, mais dans poor. Sa mentalité, but il est riche mindset, en fait. Il ne rich, ressent pas qu'il est. He c'est vous qui voyez qu'il est pauvre. C'est comme ça que j'ai toujours vécu. J'ai vécu comme quelqu'un qui a tout, quoique parfois manquant de tout à cette époque. Toi-même. Attends, je fuis même d'abord à côté de toi. Let me run away from you. Non, maman, no, réveillez-vous. No, be awake. Oui, il faut que je vous fouette pour comprendre. I'll to beat you to understand. Hein? Vous n'êtes pas réveillé. Vos yeux sont ouverts, mais your eyes are open. Révérend Bassama, je dis ceci. Basama, I'm saying this. Si quelqu'un pleure, if someone cries, ouais, à mon âge, je ne suis pas marié, pourquoi? Age, I'm not, il a déjà échoué. He already failed. C'est le doute. That is doubt. Et c'est ça qui nous tue. And that's what kills us. Ouais, là, j'ai en train de passer. C'est le doute déjà, c'est un échec doubt, par rapport à la divinité. According celui to divinity, qui fonctionne dans la divinité a une foi infaillible. Faith. Il sait que la chose arrivera. Il n'est pas limité par le temps, par l'espace, par les circonstances. Il ne voit pas l'âge, il ne voit pas la ménopause, il ne voit rien de toutes ces choses. Et c'est là-bas que l'impossible devient possible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Attendez. Wait. Je vous ai expliqué. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit ceci. There is a man of God who said this. Vous connaissez les défis que j'ai eu, n'est-ce pas? C'est un défi que vous connaissez. Dieu nous a aidés. God helped us. Il y a un homme de Dieu qui a dit à un de mes fils que ce qui me dérange avec le prophète Kanin, c'est que quand il marchait à pied, il n'avait pas conscience, Michel, je le connaissais. Parfois, je le croisais au Carrefour Nisport, en train de se fâcher sur les maisons des gens. On people's houses, and that's true. Donc je marche à pied, je vois une maison. Je me fâche, je n'ai même pas où dormir. I don't even have je dors à Elisa, vous connaissez dans l'eau. Je n'ai même pas. Toute la richesse que j'ai, c'était un pantalon. Vous savez, à la fin, même mon caleçon m'avait lâché. Des caleçons, des loyaux. Donc c'était séparé, oui. Il y avait les aiguilles dessus. Après, c'est devenu les portes dessus, les portails et tout ça. Mais finalement, on s'est séparés. Les caleçons, là, je ne sais pas où il est aujourd'hui. Vous comprendrez. Mais vous imaginez que quelqu'un qui n'a pas quoi manger, ni où dormir, qui n'a même plus un sac pour héritage. Je n'avais pas un sac. Quand je dis que ce sac des cadets Ferdinand, pas 5 francs. Mais j'arrive à Omnisport. Je passe seulement pour rectifier les maisons des gens. Quand je veux consommer, ah non, ouais, les gens, ils gaspillent l'argent. C'est quoi comme ça? Morning. Ouais! Ouais! Ah,
casse ici, moi quand même, je vais casser ici. Je vois les voitures passer, dire ça là. Je ne peux pas rouler dans ça. I can't drive in this car. No. Même cadeau me donne, je ne prends pas. Even as a gift, j'étais dans une réalité futuriste. I was in a futurist, dans le futur, j'étais dans la gloire. I was into les gens glory. Me voyaient dans la souffrance. Mais moi, j'étais perdu dans la gloire, dans mon rêve. In my dream, que j'ai oublié les réalités présentes. J'étais riche. Quoi qu'étant pauvre, les autres me voyaient comme pauvre, moi j'étais riche. Je savais que j'allais construire des maisons, je savais que j'allais acheter des voitures, je savais que j'allais réaliser des projets. Aujourd'hui, voici ces choses qui sont en train de se passer. Amen. Je n'ai pas dit non, ça fait un mois je n'ai pas mangé, oh c'est pas mauvais chez moi. Je ne pleurais jamais. Oh, je passais des mois et des mois sans manger, sans sentir l'odeur de la nourriture préparée. Mais je ne pleurais jamais, jamais de la vie. Je ne me laissais pas limiter par les barrières physiques, matérielles et financières. J'ai traversé. I was going through it. C'est la même chose qui s'est passée lorsque mommy n'avait pas d'enfant. Elle n'arrivait no pas à faire d'enfant. On a dit que ses trompes étaient bouchées. J'ai dit que dans ma tête, ce n'est pas possible. I said it is not possible. Lorsque la divinité, divinity, tu comprends comment elle fonctionne. Les gens vont pleurer à ta place. Ah, regardez son problème. Oh, la fille, elle est finie. Mais on te voit sourire. Tu souris toujours. Parce que tu sais qu'avant que le problème n'arrive, la solution existait déjà en Jésus-Christ, ton sauveur. Regardez ma fille. Look at my daughter. Look. Tu sens qu'elle dit que vraiment, vous t'avez encore tapé hier. Ouais, je vais rentrer. I will go back and hit me again. No. Le plus grand ennemi de ta gloire, the greatest enemy of your glory, c'est ta mentalité. Is your mindset. Tant que tu n'es pas délivré de la mauvaise mentalité, from the bad mindset, tu es fini. You're finished. On peut rien faire pour toi. We can't nothing for you. Un Dieu ne s'apitoie pas sur ses problèmes. Il pleure. Le prophète prêche. Le prophète prêche. Après, je vais aller continuer dans ma souffrance. Quelqu'un n'a rien mangé de lui. Tout ce que je fais est bloqué. Non. Quand tu fais ça, tu es fini. That, personne ne peut t'aider. Même nobody Dieu ne peut t'aider. You. Even God cannot help you. Jesus. Vos visages me découragent, ça je Your faces are discouraging qui me. Qui m'a envoyé ici, Reverend Basama? Who sent me here, Reverend Basama? Ça, c'est pour toi, là. That's yours there. Jusqu'à mon âge, je n'ai pas de mari. Tu dis que le Dieu des impossibilités, quelqu'un a cru ça, changé quoi? Non. No. C'est que tu n'as pas vraiment eu la foi. You have not faith, really. Quand la foi est appliquée, la vraie when foi, faith is applied, elle agit toujours. The true faith, it always Mais, works. Il ne faut pas qu'il parte. He should not go. Il doit and forget about you. He must come back. Amen. Amen. Donc il faut. So it needs. La première chose change ta mentalité. Change your Amen. Mindset. Dis-toi, je réussirai. Tell yourself, I will succeed. Même si c'est une maladie. Even if it is a disease. Dis-toi, je veux m'en sortir. Yourself, je ne peux pas mourir par cette maladie. I can't die by tu ne this donnes disease. Pas la foi à ta maladie. Tu ne crois pas disease. En elle. You don't believe in it. Tu crois au miracle. You believe tu in crois miracle. Au Dieu des impossibilités. Tu crois que tu es un Dieu. You tu dis la maladie, si tu ne peux pas me tuer, ce n'est pas possible. Disease, moi, kill me, je m'en sortirai. Et tu vas voir ce qui va se passer. Ayez foi en Dieu. Have faith in et God. Ayez foi en vous-même. Amen. Ne perds jamais confiance Never en toi-même. Lose confidence Amen. In yourself. Yes. Quel genre de mari tu veux? What kind of husband Écris. You want? Write it down. Quel genre de femme tu veux? What kind of wife Écris. You want? Write it down. Quel genre de richesse tu veux? What kind of Écris. Wealth you want? Write it down. La maman dit que le tissu vraiment. Il ne sait pas. Il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Lui, il est bien. He is well there. Quelqu'un ici vraiment. Someone is here. Même l'entend Garoua me dépasse. To go back in Garoua, I'm unable. Et lui, il dit que si je vais être riche, je serai riche. S'il pouvait même trouver un peu le transport, je rentre d'abord. He could find me some transport fees to go back first. Reverend Basama, il faut payer son transport. Pay her transport. Pour rentrer au nord, pardon. Pay her transport fees. Pour payer le transport. Pay her transport fees. Amen. Amen. Amen.
Donc, so, je finis avec ceci. I will close up with this. Que l'esprit que Dieu m'a donné vous soit donné. Amen. Un esprit qui ne recule devant rien. Qui ne se décourage jamais. Moi, j'ai une devise. Je ne perdrai aucune de mes batailles. J'ai une devise. Je veux entrer dans la nouvelle Jérusalem. Au ciel là, je veux entrer là-bas. Que l'ennemi le veuille ou pas, qu'on croit ou pas. I will reach there. Je vais arriver. Là-bas. Je vous dis la vérité. Nous arriverons là-bas. J'arriverai. Je ne perdrai pas. Je ne suis pas de la famille de ceux qui perdent. Je ne suis pas un perdant. Je suis un gagnant. Je suis un vainqueur. Je suis un champion. I'm a champion. Yes. Je ne serai pas une honte dans ma génération. Non. No. Ce qui a bloqué les autres ne me bloquera pas. Ce qui a limité les autres ne me limitera pas. Je ne serai pas un sujet de moquerie dans ma génération. Je ferai la différence. Je ferai la différence. Je ferai la différence. J'avancerai contre vents et marées. J'affronterai les montagnes de ma vie avec courage et stoïcisme. Je les renverserai les unes après les autres. Il n'y a pas de situation que mon Dieu ne puisse résoudre dans ma vie. Je crois au Dieu des impossibilités. Je suis serviteur du Dieu des impossibilités. Rien ne m'arrêtera. Rien ne me stoppera. Je n'échouerai point. Rien ne me bloquera. Je renverserai les limites. Je briserai les barrières. Je traverserai les eaux. Je traverserai le feu. Je traverserai le désert. Aucun mal ne m'arrivera. Lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. Lorsque je traverse la vallée de Baca, sa présence me rassure, sa présence me garde, sa présence me rassure. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je ne suis pas une honte, je ne suis pas un problème ajouté au problème de ma génération. Je suis une solution au problème de ma génération. Je suis né pour briller. Je suis né pour être différent. Je ne pleurerai pas. Je ne me plaindrai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je me battrai jusqu'à la mort. Je me battrai et je vaincrai. L'échec n'est pas mon partage. La honte n'est pas mon partage. La détresse n'est pas mon partage. Je suis plus que vainqueur parce que la main de Jésus-Christ est sur ma vie. Partout où j'irai, je prierai parmi les enfants de mon père, parmi les enfants de ma mère. Je prierai. Leur échec ne sera pas mon échec. Leur échec ne sera pas mon échec. Leur blocage ne seront pas mes blocages. Je ne suis pas né pour accompagner quelqu'un. Je suis né pour accomplir de grandes choses. Et je déclare et je prophétise que ma main accomplira de grandes choses que personne n'a accompli dans ma famille, ni la sorcellerie, ni la haine, ni la jalousie, ni l'adversité, ni la calomnie, ni la conspiration. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Nothing will arrest me. Jesus. Nous allons prier. We're gonna pray. Avant de prier, je vais vous montrer quelque chose. I will show you something. Chaque brebis each sheep est à l'image de son berger. Is at the image of his Il y a beaucoup shepherd. De personnes We have many people qui n'ont pas compris qui je suis. They haven't understood ou qui ne comprennent pas ma façon d'être. Not understanding the way I am. Je vais vous expliquer quelque chose. I will explain you something. Jusqu'ici, until here, avec les personnes avec qui nous nous sommes, j'ai eu à travailler. Avec qui j'ai eu à travailler. Avec qui on a eu à marcher. Et ceux avec qui on marche jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas compris ce que je porte ou ma mentalité. Parce que pour mieux vivre avec une personne, il faut connaître ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Yes. Je suis quelqu'un de très humble. Very humble. Pas parce que je veux. Not because I'm willing. On m'a obligé ça. I was obliged to be like that. Jésus m'a obligé. Jesus ça. Forced me. Courtois.
respectueux. Mais la Bible dit que nul ne méprise ta jeunesse. Si tu me méprises, tu vas toi-même apprendre une leçon. You will learn a lesson. Je ne me laisse pas marcher dessus. I'm not non, on. Jamais. Never. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont appris ça de moi à leur dépens. Je hais l'orgueil. C'est-à-dire, je hais. It means I le hate fait que the fact that nous soyons ensemble we are together et le frère and the brother veut être le plus grand. He wants to be the greatest. Il veut gouverner. He wants to rule over. Avec moi, ça ne fonctionne with pas me, comme ça. It is not working like that. Même si tu es qui, even whoever je vais you te are, remettre à ta I will place. Put you on your right place. Parce que Jésus because a dit une Jesus chose said something que celui d'entre vous he, among you, qui veut être plus grand wants to be the greatest one, parmi vous among you, devient l'esclave be the de ses frères. Of his brothers. On ne domine pas le prophète Ekané. So on ne manipule pas le prophète Ekané Ferdinand. C'est là que beaucoup de gens m'ont pas compris. Vous savez, you know, mon humilité a fait en sorte que il y a that, des gens même que j'ai reçus ici à l'église et qui m'ont parlé comme like, si c'est eux qui avaient conçu l'église. Ils me parlaient. À moi, jamais prié, mais la main sur ma tête. Almost he will pray and lay the hands on my head. Jesus. Connais ta valeur. Know your valor. J'ai dit à un homme de Dieu un jour. I told a man of God one day. Que regarde mon frère. That look, brother. L'œuvre-ci. These words. C'est pas quelqu'un qui m'a appelé. Je ne suis redevable à personne. I owe nothing to anybody. Si un homme de Dieu pense que man of God thinks, il a un pouvoir sur mon ministère, power over my ministry, il faut qu'il aille faire ça ailleurs en fait. He has to do it elsewhere. C'est Christ qui m'a appelé. It is Christ who called me. Et c'est lui qui est le gardien and de mon âme. The one who is the keeper of my soul. Et j'ai fait mon ministère en toute bonne conscience devant Christ mon sauveur. Before Christ, my chaque Savior. Chose que je fais, anything I'm je doing, la fais par rapport à ce I'm qu'il m'a demandé de faire. According to what he asked me to do. Maintenant, now, si ça ne plaît pas à quelqu'un, c'est son affaire en fait. Somebody, it is his business, in fact. C'est son affaire. It is his business. Mais on ne peut pas. But we can't, on ne peut pas. We can't, on ne peut pas m'influencer. We can't influence on ne me manipule me. Pas. We can't manipulate me. No. On ne me manipule pas. You can't manipulate me. No. Et c'est là que beaucoup d'hommes de Dieu m'ont découvert. That's where many men of God, they ils ne savaient pas me. Ça they de moi. On ne me corrompt pas. They can't corrupt ma conscience me. Est encore vivante devant Christ. Is still alive tu ne peux pas God. Me corrompre. You can't corrupt me. J'ai dit à certains hommes de Dieu, some men of God, vous ne pouvez pas m'annexer. You can't annex me. Dites-le, and conquer me. Vous ne tell pouvez them, pas m'annexer. You can't conquer me. On ne m'annexe pas. On ne me soumet pas. You can't submit me. Vous ne pouvez pas. You cannot. Et je lui ai dit, je leur ai dit, je suis une montagne indépendante. Si Christ t'a appelé, Christ m'a aussi appelé. Fais ce qu'il t'a demandé. De faire, laisse-moi faire ce qu'il m'a demandé de faire. What he asked me to do. Jesus. Vous savez, you know, au Cameroun, in Cameroun, je le dis en public, I say coupez publicly, ça, vous me diffusez cut ça. It down and you will paste it. Je peux être ton ami. I may be your friend today. Mais le jour où tu veux prendre autorité but sur moi, you, take, you want to take over me. Tu vas te rendre compte que je suis une flamme de feu. I'm a flame of fire. Non. No. Un homme ne peut pas a me diriger. Cannot je ne suis pas corruptible. I'm not corruptible. Je ne suis pas manipulable. I'm not, you can't manipulate non, ce n'est pas possible. It is not possible. C'est pas possible. It is not possible. Jesus. Vous savez, même you know, à mes frères, even les quatre brothers, forgerons, the four Smith, il y a d'autres amis. And some other friends, je leur ai répété ce que je dis en public. I repeated what I'm saying publicly. Je leur ai dit ceci. I told them this. Pour moi, for me, les associations, c'est pour la gloire de Christ, it is for the pour l'unité glory de l'Église. And the unity of the church. Quand on parle de l'unité du corps de Christ, of the unity of the pour moi, of Christ, me, je peux tout sacrifier. I can sacrifice je peux sacrifier de grandes choses sacrifice great things pour la cause de l'Église, for the cause pour que l'Église soit unie. Of the church, for the church to mais be je united, ne peux pas me corrompre pour but ça. I can corrupt myself. Je ne peux pas salir mes mains pour I ça. Stain my hands je veux le faire, mais dans la noblesse. I will do it in noblessness. Et j'ai toujours dit à tous les hommes de Dieu avec qui j'ai marché, que ce soit les quatre forgerons, ou les autres, je leur ai dit ceci. Moi, ma conception, nous tous, on est des esclaves. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Nous sommes tous égaux dans la mesure de la vocation de chacun. Et j'ai dit, quelquefois, je leur ai rappelé que
je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu pour réussir dans mon ministère. Et les hommes de Dieu n'ont pas besoin de moi pour réussir dans le ministère. Parce que c'est Dieu qui est notre provision. Je n'envie rien à aucun pasteur au Cameroun. Il n'y a pas un homme de Dieu que vous allez mettre devant moi au Cameroun. Et je vais l'envier. Peut-être avec la foule, ou l'envier avec l'argent, ou l'envier avec la renommée. Je n'envie rien. Je n'ai rien à aucun homme de Dieu au Cameroun. Que je peux envier. Il n'y a aucun homme de Dieu au Cameroun maintenant là qui m'impressionne. Au contraire, nous ne parlons pas de ce que Dieu fait à travers nous par humilité. C'est ça la réalité. On ne parle pas par humilité. Mais je ne vois pas l'homme de Dieu au Cameroun, un homme de Dieu qui agit seul, qui a autant de méga églises que ce ministère, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Ça veut dire que je veux parler sérieusement et simplement. Ce n'est pas l'orgueil. Mais il faut que certaines personnes comprennent quelque chose. Mon humilité n'est pas un signe de faiblesse. Nous sommes redoutables, mes amis. Je ne vois pas l'homme de Dieu au Cameroun. Un seul au Cameroun. Dont les églises ont des milliers de gens sans qu'ils ne soient présents. Dans les villes de la nation. Hors du pays, où des milliers et des milliers de personnes se rassemblent, comme nous le faisons. Je ne vois pas un seul au Cameroun actuellement. Mais nous ne voulons pas regarder à ça. On veut glorifier Christ. Donc les gens doivent comprendre une chose me concernant. J'ai dit, même aux quatre forgerons, je leur ai dit, je suis une nation indépendante qui a les moyens de sa politique. Je n'ai pas besoin des alliés pour vivre. J'ai pas besoin de ça. Non. J'ai pas besoin de m'associer à quelqu'un pour tirer mon existence. Je suis une nation indépendante et libre. Aucune puissance ne peut m'annexer. C'est pas possible. Toute relation doit être basée sur le respect. Si tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je ne te respecte pas. Non, je te respecte pas. I won't respect you. Il y a des personnes qui disent non. Le prophète Gale Ferdinand, il est orgueilleux. Il ne se mélange pas aux gens. Je ne peux pas. Si tu m'invites, avant d'aller chez toi, je dois me rendre compte d'abord que j'ai la permission de Jésus. Si je n'ai pas sa permission, je ne viens pas. Tu veux, tu es content, tu n'es pas content, tu parles mal de moi, je m'en fous. D'ailleurs, on a besoin de ça. On en a besoin. Mais on ne me manipule pas, on ne me soumet pas, on ne me subjugue pas. You can't subdue me, you can't. Jesus. Vous savez, you know, un jour j'ai dit à un de mes frères, I told one of my brothers, dans les quatre forgerons, among the four black je lui ai dit que je ne méprise pas les gens. Je ne méprise pas les gens. Non. Je ne suis pas méprisant. Dieu m'a appris les bonnes manières. Je suis très courtois. Good ways, mais je lui ai dit, je n'ai jamais admis qu'on me méprise. Même si tu es qui, si tu me méprises, pour moi tu as traversé une zone rouge. Là je vais user des représailles. Parce que c'est l'écriture, c'est la loi et les prophètes. Que nul ne méprise ta jeunesse. N'admets jamais ça. Never admit that. Tu ne peux pas mépriser quelqu'un que tu ne dépasses en rien. You're overpassing nothing. Non. No. On ne peut pas. J'ai dit que les hommes de Dieu. On dit, non, on va isoler le prophète Gareth Ferdinand. J'ai dit que Dieu m'a déjà isolé. Vous êtes en retard. On n'isole pas celui qui est isolé. Je suis isolé. Depuis que je fais le ministère, non, écoutez, il y a des choses qu'il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent. Le ministère, s'il a été fondé par Christ, il subsistera, malgré tout. Mais s'il est fondé par moi, ça veut dire que je ne suis pas vrai. Je suis faux. Et si je triche, comme certains le font, le souhait de mes ennemis arrivera. Mais si ma foi est basée sur le roc, et mon ministère est pur, mon cœur est vrai devant Jésus, nous sommes au Cameroun. Les gens vont parler. Ils vont tomber.
ils vont s'essouffler. Nous allons continuer avec le message que Christ nous a donné dans cette nation. C'est ça la réalité. That's reality. Mais il faut que les gens comprennent. But people must understand this. Il y a des lignes rouges. There are red lines. Faut pas traverser. You must not cross. Je représente un ministère. I represent a whole ministry. Et je suis la gloire de ce ministère. And I am the glory of that ministry. Même mépriser. To despise me. C'est mépriser toute la congrégation baptiste camerounaise, la paroisse Rema. Quelqu'un me méprise, c'est vous qui l'a méprisé. You are the one he despised. Mais nous sommes des guerriers, mes we amis. Are warriors, friends. Il y a des domaines. J'ai l'habitude de dire que je suis un très mauvais ennemi. A very wrong enemy. Moi, je suis né dans la guerre. Dès le ventre war. De ma mère. Since la guerre. Maman war. Vous a raconté war. Ça. C'est la Mom guerre. Je suis né avec war. La guerre. Mon enfance, c'est la war. Guerre. Je suis un guerrier. I'm a warrior. Je suis né guerrier. Je ne suis pas devenu un guerrier. Je suis né guerrier et je vais mourir. Guerrier. Donc, so, il faut que les gens comprennent cela. People must understand this. Je répète, je n'ai pas besoin de m'associer à un homme de Dieu pour faire quoi que ce soit. Ma grâce, mon alliance sont uniques au Cameroun. Je répète, ma grâce et mon alliance sont uniques au Cameroun. Je pense que je suis le seul homme de Dieu dans cette nation aujourd'hui qui remplit le palais des sports jusqu'on ferme la barrière sans passer dans les... Amen. Sans passer dans les... Sans faire les affiches. Hein? Sans faire des affiches without flyers. Ou sans distribuer des flyers or sharing boards, ou sans flyers. Communiquer dans d'autres without chaînes de télé ou sans faire une longue publicité médiatique media publicity. Sans mettre des affiches en ville without flyers on the board and cities. Non. No. Faut que les gens se méfient. People should be careful. Même si on ne dit rien, even if we say nothing, nous sommes des autorités we et des gloires dans cette nation. Authorities que tu le veuilles ou pas, whether you want on s'en fout. Or not, we don't care. Mais il faut que les gens comprennent but une chose. Must understand something. Il faut respecter he must respect ce que Dieu a donné à l'autre qu'il ne t'a pas donné. Gave the order, il faut respecter, c'est l'humilité aussi. That's humility. Il faut respecter ça. That's humility. You must respect that. Mais si quelqu'un pense qu'il peut influencer le prophète de Canet Ferdinand, c'est mal me connaître. C'est très mal me connaître. Jesus. C'est mal me connaître. Je veux prier avec toi ce soir. C'est mal te connaître. Personne ne te méprisera plus. Jamais, ça n'arrivera plus. Never, it won't happen anymore. Jesus. C'est qu'il y a des choses, il y a des choses que les gens ne savent pas de nous people, et on ne peut pas aussi parler. And we can't speak it. Parce que c'est des arrêts à remata. These are forbidden. Je n'envie rien à aucun homme de Dieu dans cette nation. In this au contraire, ma vie est un défi pour plusieurs hommes de Dieu. To many men of God. Dans tous les domaines, tous every les domaines. Domain, every domain. Parmi tous les hommes de Dieu que je connais, personne n'a une église excentrée comme celle-ci. A centered church like this one. Personne. No one. Mais Jésus, par sa grâce, but Jesus, by rassemble grace, son troupeau is gathering his pour qu'il soit enseigné. For it to be taught. C'est une alliance forte. It's a strong covenant. Jesus. On n'a plus de service de bus. We have no bus service. Mais depuis qu'on n'a plus de service de bus, no bus l'église a encore grandi plus que lorsqu'il y avait les bus. More than when they were bus users. Donc, je le répète, so I will say, je n'envie rien à personne. To nobody. Si je m'associe à certains hommes de if Dieu, c'est dans le but de l'unité du corps de Christ. Je n'ai pour rien gagné. Je n'ai rien à gagner. J'ai déjà tout gagné en Christ. I've already won everything. Je n'ai rien, rien, rien. Nothing, nothing. Rien à gagner, rien. Nothing to earn it. Que Dieu vous comble. May God fill you. Que Dieu te comble au nom de may Jésus. God satisfy you in Jesus que name. Dieu te bénisse en may sorte que such a si quelqu'un te fait le chantage, que les gens aient pitié de lui, que les gens aient honte de lui-même. Mercy.
Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Dis mon Père et mon Jésus. Say my Father and my Je Jesus. Prie, I pray, oh Dieu, oh God, que la honte quitte ma vie. Let shame depart from my life. Établis-moi dans ta gloire. Establish me in your glory. Que toute forme de honte Let every form quitte of ma vie au nom souverain de Jésus. From my life and the Ouvre of ta Jesus. Bouche et commence à prier avec autorité. Open your mouth and begin to pray with authority. Livano suparakia. Eleto pareke dilimanta dusha. Karaman de livando sia. Lekendo susuparadi. Keredia no shatapala. Aliko parete ledia manteli. Vando supratika raha. Jekito peria mande. Zeletia to sofravahadiga. Leteto parahadika lamande. Jeletu suprapari. Vikoto susupero diamandika. Allo sofante letepre. Leketo sopande lekeprea. Aleto dotofane letika radushata. Kando sumende liko paru. Arua dialigo fando supradi rekendo shona nita into prega alito lomande leketo sopra lere dele nini manda la cadia aliko shaniti lima lefanto suprika rabala ante lekika ro supradia lifande sha ayalando supare lekende sotoria radala namande lere dele nene mende le Che ti dica se le ne mando sua alico parababa raco su pandele indosso frando sia ricapapa rahati litendo si catalana mandia elico paria rosso priga entusha de ele rapa laki litidusha parikendele as we pray oh God we pray and we lift our voice we cast every spirit of shame For my life into Rabba Le remeneneki Litosia Pahandesete E Kamando la Paragata Ladia Ratoso Panda Leketia Rosso Brace Levando Soparegete into Topalapalakia Vano Savinda la Kerababosha I Ramande le remando seca La Bramrekete le diamando Shadaka Elisarame Saravote Yaksoravo En sera melotel voi sura mi morevo deloi e suru mi varo En sera mi lo sagarami en ali kuma o en saro Zaro maro sravo varazo En sera mi morevo deloi e suru mi sera Au nom de Jésus on a prié Dis amen comme le tonnerre Give amen like thunder Dieu te rendra indépendant. God will make you independent. Vous savez, you know, lorsque j'ai invité le prophète Joël au Cameroun, quand je l'ai invité, when I first invited him, il y a eu des oppositions, oppositions de sérieuses oppositions. Serious uprisings. Et j'ai discuté avec un frère, and I've been sharing with one brother, un des principaux hommes de Dieu au Cameroun. Les gens doivent comprendre une chose. Je n'ai jamais rêvé être le plus grand homme de Dieu au Cameroun. Non. Et ça n'arrivera jamais. Je rêve juste d'être un modèle pour la génération qui vient. Je rêve juste de relever les défis que d'autres n'ont pas pu relever. Je ne suis pas dans les guerres de grandeur. J'ai causé avec un frère. Et il m'a expliqué sa position par rapport au prophète Joël Francis Tatou. Il m'a raconté tout ce qu'on disait de lui, que je connaissais. Et il y a même des choses que je connaissais, que lui ne connaissait pas. On a parlé avec lui. Je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, frère, voici ma façon de voir les choses. Les affaires qu'on lui reproche, qui sont là, il y a même des audios. Comment envoyer que écoute, j'ai écouté tout ça. Toutes ces choses, je lui ai dit, je crois au Dieu de la seconde chance. Ça, c'est ma position. Je crois que quelqu'un peut avoir commis des erreurs dans sa vie
mais qui se réconcilie avec Jésus et que le Seigneur lui donne une seconde chance et qu'il serve le Seigneur selon le cœur de Dieu. Mais je ne peux pas condamner quelqu'un sur son passé. Voilà ma position. Et je le dis, c'est sur cette position que j'ai vu le prophète Joël. Mais les gens n'étaient pas d'accord avec moi. Vous savez, je ne suis pas un pharisien. Non. Tout le monde peut commettre des erreurs dans sa vie parce que tu ne connais pas comment ton demain sera. Mais on ne peut pas condamner quelqu'un sans aucune miséricorde, sans lui accorder aucune chance de se relever. Dans l'église, j'ai dit Dieu ne se comporte pas comme ça envers nous. Nous tous, d'une façon ou d'une autre, nous revenons à Dieu pour demander la grâce d'une seconde chance. Et j'ai dit au frère, je ne peux pas condamner le frère sur son passé. Et je l'ai fait venir. Vous voyez, pour moi, c'est la première fois que j'ai invité quelqu'un au Cameroun, n'est-ce pas? Pour moi, l'amitié, c'est le respect du choix de l'autre. C'est ça l'amitié. That's friendship. Ça c'est ma conviction. That's my conviction. L'amitié friendship n'est pas une annexion. It's not a submission. L'amitié friendship c'est respecter respect les choix de l'autre. Respect. Moi j'ai été avec mes frères I've been with my brothers, et avec des bien-aimés, and with my tous mes amis all my friends, qui invitent les gens. Inviting je suis toujours allé les soutenir. I've always went to support même si je ne vais pas, even if I'm not ils ont mon soutien they have my support, formel. For my support. Je n'ai jamais fait de problème à quelqu'un parce qu'il a invité quelqu'un. Il y en a parmi qui ont invité des personnes avec qui nous sommes, je suis en mauvaise posture. Des gens avec qui je ne parle pas aujourd'hui à cause du mal qu'ils m'ont fait. Je me suis retiré pour protéger mon cœur. Mais je vais parce que mon ami est indépendant de ses choix. Mais je ne peux pas imposer à mon ami ses amis. His friends. Ça c'est la dictature mon ami. That's dictatorial state. On est en démocratie. We are in a democratic ça ne passe state. Pas, c'est pas possible. It can't be possible. Je n'ai jamais imposé à quelqu'un qu'il doit inviter ou qui ne doit pas inviter. Invite donc personne n'a le droit so de m'imposer right qui je dois inviter ou qui je ne dois pas inviter. Il faut que les gens comprennent ces choses. Je suis un homme libre. I'm a free man. Si tu entends Dieu, if j'entends aussi Dieu. God, Dieu te parle, il me parle aussi. God speaks to you, he speaks to me too. C'est ça que les gens doivent comprendre. That's what people must understand. Écoutez mes amis. Listen, friends, que Dieu nous donne de bons amis. May God give us good friends. Que Dieu te donne de bons may amis God au nom de Jésus. Good friends in Jesus' name. Que Dieu te donne de bons amis. May God give you good friends. Mon ami. My friend, si tu ne respectes pas if mes choix can't respect my choices, en tant que ton ami, as your on n'est pas friend, amis. We are not friends at all. C'est pas une vraie amitié. That's not a true friendship. On ne peut pas venir te dire que marche avec tel, ne marche pas avec tel. Au nom de quoi? Non. Ça ne passe pas chez moi. It is not working with me. Non. No. Tu as tes amis, je les respecte. You have your friends, I respect même them. Des gens en qui je ne crois pas. Even people I don't believe in. Et je dis que j'invite quelqu'un. And I say, I will et vous vous dites non. And you say il no, faut. You need pas. To. C'est pas l'amitié là-bas. That's not friendship there. Toute amitié qui veut annexer ton indépendance n'est pas une amitié. Your independence is not a friendship. C'est une colonisation. It's a colonization. Oh, yes. Je ne suis sous tutelle de personne. I'm et personne ne peut me coloniser. And nobody can personne. Colonize me. Nobody. Jesus. L'amitié, c'est le sacrifice, mes amis. Is about sacrifices, si tu ne peux pas vivre if quelques sacrifices pour ton ami, on n'est pas amis. For your friends, we are not friends. On va prier. We're gonna pray. Dieu doit te susciter des personnes God will destinées. Raise your people. Dis oh Dieu. Say oh God. Seigneur, Lord, remplis ma vie de bonnes personnes, fill my life with good people, des rencontres de destinée, encounters of destiny, dans le nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus, oh Dieu, oh God, toute personne any person susceptible able de détruire ma destinée, to destroy my Seigneur, destiny, Lord, sors-la de ma vie, take her out of my associe-moi. Associate me à de bonnes personnes. To good person. Ouvre la bouche et commence à prier. Il y a des open gens qui doivent quitter ta vie. People must il y a des gens qui doivent entrer dans people ta vie ce soir. Should not enter in your parle life avec autorité. Speak with authority.
Livriko prekarado shahadia. Liremando sia telekia parahado. Vanito tia rena lika hapradi. Vandelehi pramandelikito shaha. Arredeliro prefarahando sia ketori. Intoto prefariko hauparia. Lerando shahata. Alero da liado se lika prevelehedo shaha. Indeninito sihia kovrahadiga. Arredeliro monte hata prekerea shaha. Mantehete paro sika. Elita tose levamo heja. Arredeliro mante. Lehedusha, mameno neto habra baraha, salekika habra virino sehe, elevendo dusha hateti areda limandia, karofa vande siti, eshesalika pa, mantele retedusha, le reda nino neisalika briva hareya, la totosha la mande. Retando sopra mantoto shahapa ele toto paria redalika karedalito do shalamandia enando selikapa ramato lapa le rocande di alando do shalamandes kereita. Au nom de Jésus, on a prié. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus Christ, on a prié. In Jesus Christ's name we pray. Dis mon Père et mon Jésus. Say my Father, my Jesus. Que mes yeux contemplent ta gloire. Let my eyes contemplate your glory. Que mes yeux contemplent ta gloire. Let my eyes contemplate your glory. Que mes yeux contemplent ta gloire. Let my eyes contemplate your glory. Au nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Oh Dieu. Oh God. Je passe à la gloire. I'm passing to glory. De la honte à la gloire au nom From souverain de Jésus. To glory in the sovereign name of Jesus. De la honte à la gloire. From shame to glory. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Vous savez, you know, après le passage du prophète Joël, After prophet Joel's passage, il y a des bien-aimés, des hommes de Dieu, some beloved men of God, qui m'ont approché. They approached me pour me faire des remarques. To give some report. Telle chose, ce n'était pas bien. Telle chose comme ça, ce n'était pas ça. Telle chose. Je les ai écoutés. And I heard them. Lorsqu'ils ont fini, je leur ai dit When ceci. They finished, I told them this. Premièrement, First of all, je ne suis pas responsable, I am not responsible des paroles et des actes du prophète Joël. Comme il n'est pas responsable de mes paroles et de mes actes. La Bible dit qu'au jour du jugement, chacun rendra compte de toute parole vaine qui sera sortie de sa bouche. Donc, je ne suis pas redevable des actions d'une autre personne. On est tous des serviteurs de Dieu. Deux, je n'ai pas été établi juge. C'est Jésus-Christ le juge de ses serviteurs. Celui qui fait bien, il a une récompense de son Seigneur. Celui qui fait mal, il a un reproche de son Seigneur. Mais moi, qui suis-je pour juger un serviteur d'autrui? Trois, j'ai agi en toute bonne conscience devant Dieu, avec l'amour que Christ m'a enseigné vis-à-vis d'un bien-aimé dans le Seigneur. Mais je n'accepterai jamais m'associer pour condamner quelqu'un qui est agonisant, quelqu'un qui traverse des moments difficiles, le lapider, c'est parce que Christ m'a enseigné. Ce que je sais, si un frère est en difficulté, tendez-lui la main, aidez-le. Tu peux le voir dans l'erreur. Qui sait si Dieu ne t'a pas suscité pour lui parler, pour qu'il comprenne et qu'il se relève? Si tout le monde le condamne, cette âme sera perdue. Et que ferons-nous de la parole de Christ? Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Cette parole est où? On en fait quoi dans l'église? Non, mes amis, je ne peux pas m'associer pour détruire un bien-aimé. Parce que je ne sais pas comment ma fin sera. Nous sommes debout aujourd'hui. On ne sait pas comment notre demain sera. Prions le Seigneur. Prions Jésus-Christ. Let's pray Jesus Christ. Je veux prier avec toi ce soir. I will pray with you tonight. Dieu doit faire dans ta vie God must do in ce your qu'il life n'a jamais fait what he has never dans ta done famille. In your family. Hey. Oh! Hey. Dis mon père, say my father, my oh father. Dieu, oh God, par ce programme, by this program, que ta gloire descend dans ma vie. Let your glory fall oh in my Dieu, life. Oh God, fais dans ma vie do in my life ce que tu n'as jamais fait what you've never dans done ma famille. In my family. Utilise ma vie Use my pour life accomplir des choses to perform que tu n'as jamais accomplies you've never been dans ma famille. In my family. Je prophétise I prophesy que j'accomplirai, I will achieve, je réaliserai and I will fulfill des choses. The things de grandes choses, the great things, des choses glorieuses glorious avant things, ma mort before my ouvre death, la bouche et commence à prier open the mouth and begin to pray
Irwania hate parusha. Levenose ikata. Anano se preva rosa lekia. Recando suparahande ledria mandiga. Rato shalamande leke praise. Ivando seleria ramanode sutradiga. Aprapa rato shana namandiga. Parose ekato shala. Into parose lekia mantala. Levravo seleka paradia. Ireto tu shalamandia kia. Revinto zisa liha preka. Iliso suparadia la nenonesha. Eredaliro mantala da parekadia. Lato sopapari. Into la pahabradika radish. Ano sopaparia. Rato sika. Into la mandele redele de geisha. Karamatele de beleketia ranana mandele de kabosha. Ilato sopa. Kalatosha. Ilatuania into fair. Levando sopa. Erecomaneta dose. Le retosha nanamandia. Le rapapa rosica. Le copa rananamate. Le retosha nanita lanamani. Lito supandre dele. E le romandia cosha. E la rosupalese. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Je vais entendre quelqu'un dire amen comme le tonnerre.